Cameron Todd Willingham. Vous êtes coupable de meurtre au premier degré. Sur ordre de l'État du Texas, je vous condamne à la peine de mort. Vous êtes la première personne qui m'en rend visite depuis un bail. Ça fait combien de temps? En tout, 8 ans. En prison, tu comptes les jours. Et dans le couloir, le temps n'existe pas. Il s'est arrêté. Dès que la condamnation est tombée. Alors, si vous me disiez ce qui s'est passé. Papa! Les filles! Au secours! Un homme qui peut pas sauver ses enfants. Ne mérite pas de vie. Je vous jure que j'ai pas tué mes enfants, Elisabeth. J'y tenais plus qu'à ma propre vie. J'ai découvert un homme vulnérable, avec beaucoup de sensibilité. Pour moi, l'État du Texas va mettre à mort un innocent. Vous n'avez pas interrogé les témoins qui ont renié ce qu'ils avaient déclaré? Il avait le mobile, il avait les moyens. Ce monstre a brûlé ses filles, et il doit mourir. Son avocat a décidé que Todd était coupable depuis le début. Il n'a pas trouvé de scientifiques qui contredisent leurs experts. Je reconnais que son procès a été un massacre. Ne laissez pas vos émotions vous guider. Mes émotions? Parce que je suis une femme, c'est ça? Super, je vais terminer votre boulot. Vous avez lu Découvrir un sens à sa vie? Ça dit que vivre, c'est souffrir. Et pour survivre, il faut trouver un sens à la souffrance. J'ai envie de vivre. C'est pour ça qu'on ira jusqu'au bout. À votre avis, pourquoi Todd s'est confié à vous? J'ai pas le droit de parler de ce genre de choses. Qui vous a dit de pas en parler? Le procureur Jackson? Ça suffit. Ils vont exécuter un homme qui a rien fait. J'ai une arme. Foutez-moi le camp! Les soi-disant experts qu'ils ont appelés ont peut-être vu beaucoup d'incendies. Ça prouve que tu y es pour rien. Ça fera aucune différence. Je suis pas là pour être sauvé. Je suis là pour mourir. Est-ce qu'on a une chance que ça aboutisse? Vous croyez que ça concerne uniquement Todd? C'est le système qui est foireux. Ça marche pas. Il me reste 10 jours à vivre. Et si je me remets à espérer, les 10 jours vont passer comme ça. Oui, je sais. Mais moi, j'espère.